c'est Olivia. On se retrouve aujourd'hui sur Football Manager 2019 pour le match contre le PSG. Je le montre tout simplement parce que c'est un match important, très important, que si je gagne, je peux récupérer un petit peu mon retard. Attendez, on va revenir en arrière. Juste pour vous montrer, je suis actuellement premier avec 66 points. J'ai 3 matchs d'avance en Paris. Voilà, avec 3 points d'avance. Donc si je gagne, ça me fait 6... ça me fera plus que 3 points de retard si Paris gagne tous ses autres matchs par rapport à moi. En calculant bien, donc... Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Giroto, après un jeu rouge déjà, il est en suspendu. Alors lui, magnifique. Bon, on va mettre Touré. Du coup, je vais pouvoir remettre Evangelista normalement. Toujours en repos. A besoin de repos. Alors, contre Paris, non, j'en ai besoin. Contre Paris, j'en ai besoin. On va le faire jouer quand même. Est-ce que Cara est revenu? Oui, Cara est bon. Mais du coup, j'ai toujours pas Ivan. C'est blessé, je crois. Ah non, je peux le mettre en jeu 75. Donc il peut revenir. C'est très bien. Je vais en avoir besoin. Et on va faire jouer Hermani. On va vraiment mettre l'équipe type contre Paris. C'est parti. Alexandro Cordonnier, ce n'est pas 100%. C'est pas grave. Il fera le taf. Il joue en quoi? 3? C'est quoi cette... Bizarre le schéma tactique. On va faire la tactique tout de suite. Je pense qu'il y a des trucs que je peux modifier. On va jouer de large, vu que ils sont plus axial, déjà. Par contre, ils jouent en 3 défenseurs. Pom, 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 pom. Donc ça, on est OK. Bah, la petite causerie. Je veux un gros match. Hop, je crois en vous. Non, mince, merde. Je suis gouré, mais ça a pas trop affecté le truc. C'est parti. 3, 2, 2, 1, leur schéma. T'es chelou, hein? 5, 2, 2, 1. Vu que moi je joue beaucoup sur les ailes, techniquement il y aura un peu de place pour mes ailiers. C'est déjà pas mal. Par contre, en défense, Marc, goal, le pauvre, hein? Matisse, Armani. C'est le nom, le gardien. Ils ont plus Airola ou. Ah si, ils ont. Bah, ils ont pas Buffon. Ils ont plus Buffon. Bizarre. En même temps, ils veulent acheter Pogba, la PSG, dans cette saison. Ouais. Marquinhos, jaune, allez hop. Bon, 25 minutes de jeu 0-0, c'est déjà pas mal. À l'air extérieur déjà? Ah ouais? Hermani. Il tire trop, Hermani, il tire beaucoup trop. S'il emmène bien, là, il repique bien, mais il me tire trop. Faut que je le modifie, ça. On verra ça à mi-temps.
C'est impressionnant, on a une possession de balle. Presnel Kimpembe, deuxième carton jaune de la saison et deuxième carton jaune pour Paris dans cette période. Cara, premier carton jaune, allez hop. Bon. Vestiaire, causerie d'équipe. Hop, hop, hop. Mais je c'est pas mal, mais je crois que vous pouvez faire la différence. Alors, par contre, terrain, tactique. Tactique, tactique. Je pense qu'on va sortir Cortinovis, hein, on va faire rentrer Marat Mohamed. C'est bon. C'est reparti. De jouer plus direct, ouais. Mbappé. Pop, 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 pop. Corner. Mbappé. Ça va être compliqué de faire ça. Neymar, je sais pas s'il a un mauvais pied, lui. Oh, allez, Mohamed. Ah, il a perdu la balle déjà. Non. Oh, Mohamed est blessé. Mbappé. Beau tacle. Ivan. Ouh, Matchis. Oh, qu'elle est belle. Oh, là, il y a quand même une blue ball, hein. Oh, elle est belle. La reprise. Ah, ça touche même belle. Oh, la reprise de volée. Matchis et Ivan. Bon, 1-0, c'est pas mal. Bah, faut se méfier. Hein. Faut se méfier, c'est Paris. Enfin, ouais, je comprends pas trop leur système. Qu'est-ce qu'ils disent? Matchis 64, non, ça va. Par contre, ça me fait chier si Mohamed Mangala est blessé pour longtemps. C'est mon seul buteur pour le Borussia Dortmund. Pour la Ligue des Champions, va finir mal cette histoire. Cavani rentre à la place de Mbappé. Ça, c'est pas mal. Déjà, ça, on va gagner. On va perdre Mbappé. Il n'y a plus le souci sur la vitesse. Par contre, on a le souci sur la tête. Ah, ça y est, ils sont passés en. Quatre minutes de temps additionnel. Dégage. Meunier. Suso. Meunier. Oh non, 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 non. Marque jaune. Ne perdez pas la balle. C'est bon. On a eu chaud. Victoire. 1-0. Ça, c'est fait. Bon, c'était pas un des matchs les plus jolis, hein.
On va s'assurer. Bon. Et ben voilà. Du coup, on a reculé un peu l'échéance. Donc 25, 3 matchs, donc ça peut leur faire 9 points. 9 points, donc ils ont toujours, bah, comme je vous avais dit tout à l'heure, 3 points d'avance. Ils ont toujours 3 points d'avance au total. Donc ça serait bien que soit qu'ils arrivent à faire des matchs nuls, soit qu'ils perdent. Paris, ça va être compliqué. Alors maintenant, c'est là qu'on va voir. Mohamed est blessé. 3 jours, ça va. Mais je les ai déjà fait se reposer, hein. J'arrête pas, hein. Bon, je sais pas si vous avez vu le calendrier. On joue contre Toulouse et après le match retour de la Ligue des Champions. On avait gagné à l'aller. Donc moi je vous dis à très bientôt. J'espère que l'épisode vous a plu. Pensez à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé, à vous abonner. N'hésitez pas. Partagez, mettre un petit commentaire. Pareil, si vous avez des attaquants à me conseiller, parce que j'ai Marc Gaul, c'est le seul que j'ai. Transfert. J'ai pas un budget énorme. J'ai 3. J'ai 1,7 million. Allez, on va dire que peut-être en fin de saison, j'aurai 3 millions. 3-4 millions. Ok, c'est vraiment un attaquant qu'il me faut. Donc si vous avez ça en stock, n'hésitez pas. Des idées sur ce sujet-là. Eh ben écoutez, je les prends volontiers. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain match. Bye bye, amusez-vous bien.